monde le sait. Alors, qu'est-ce que la littérature peut apporter comme solution à la crise que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui? La littérature peut nous aider à comprendre que la crise vient d'un problème de valeur d'abord. Parce que la littérature, elle est produite par des artistes, elle n'est pas produite par des artisans. Donc elle ne peut pas produire des couteaux pour qu'on s'entretue, on s'entregorge. Elle propose des valeurs. Elle permet de comprendre l'origine de la crise. Et c'est parce qu'elle comprend qu'elle amène les citoyens, les lecteurs, à comprendre ce qui leur arrive. Et à quitter donc le chemin qui est mauvais pour chercher une voie qui pourrait le conduire vers le bonheur. Peut-être que vous vous souvenez de feu Amadou Kourouma, il avait écrit une pièce de théâtre, je crois que c'est sa seule pièce de théâtre, Tunyantigui le disait de vérité, et il représentait l'évolution de la société comme un mouvement de Ségédougou, disons le village de la souffrance, vers Erédougou, le village du bonheur en quelque sorte, et il revient aux artistes, aux écrivains, comme aux religieux, comme aux intellectuels en général, de rappeler le sens des valeurs à leur société. Et la paix est une valeur, la liberté, l'égalité sont des valeurs, et c'est tout cela qu'un écrivain peut rappeler à ses concitoyens et leur dire que ça ne sert à rien de s'entretuer. Et qu'au fond, l'homme est plus important que l'argent, que les biens matériels. Parce qu'au fond, quand on s'entretue, c'est pourquoi? Peut-être que c'est pour tous ces biens matériels. Et donc, ramener les hommes à l'humanité, en quelque sorte, les aider à se réhumaniser eux-mêmes, c'est l'enjeu de la littérature, d'une manière générale, de l'art. Oui, donc, vous, en tant que... Je parle à l'homme de l'être. Oui. Quel message vous pouvez faire passer aujourd'hui aux Ivoiriens alors que la crise s'accentue? Mais la conférence, moi je la présente en quelque sorte en trois parties. Il faut sortir des impasses. Parce que c'est ça au fond la crise. Dans ce voyage que je viens de proposer, qui nous conduit vers Erédougou, il faut sortir des impasses. Il faut refuser les mauvaises voies. Parce que s'entretuer, on peut penser que, au fond, c'est ça qui est révolutionnaire. Mais c'est intéressant. Si on prend le roman posthume de Amadou Kourouma, quand on refuse, on dit non. Ça m'a frappé de voir que chaque fois que Birahima tire, il tire en l'air. Je ne l'ai jamais vu tirer sur d'autres êtres humains. C'est à nous de tirer une leçon de cela. Pour que, au fond, ce que veulent les écrivains, aller vers cette société de bonheur, cette cité radieuse, ou bien comme dit un poète, n'est-ce pas, indiquer aux gens quel est le chemin de l'aube, et donc voir quelle est la société idéale en quelque sorte, qui reposerait sur l'unité, sur la réciprocité, c'est-à-dire la solidarité, et sur la créativité. Parce que peut-être notre crise vient de ce que on se bat tous pour consommer ce qu'on n'a pas produit. Alors que si nous entendions pour consommer mieux et en quantité suffisante, on serait en mesure de partager et d'éviter donc les affrontements. Et donc ce sont ces valeurs-là qu'on peut proposer à sa société. Reconnaître que nous sommes dans la même société, reconnaître que nous avons des devoirs de solidarité les uns envers les autres et accepter, se convaincre que nous avons un devoir de créativité. Les artistes vont créer, les gens qui sont dans l'activité économique doivent produire et ceux qui doivent partager doivent savoir le faire avec équité. C'est à partir de tout cela que la société retrouvera son équilibre et que l'homme redeviendra homme et non pas un loup. Ou alors peut-être comme on n'a pas de loup chez nous, n'est-ce pas, une panthère pour les autres êtres humains. Voilà ce que je peux dire. Vous êtes bien clair. Merci pour ça.